Les caméras filment. Les caméras ont filmé. Si malheur m'arrive, c'est là où ça va se passer. Je vais vous. Je vous demande simplement d'être discipliné. Le combat que je fais est connu. Si dans des moments comme celui-ci, on ne doit pas avoir suffisamment de courage, alors on ne doit pas perdre. Ce sont des agents de l'ordre, ils sont des exécutables. Prenez bazar, tout le monde va aller me faire péter la pierre. Ma dîme va en mission, ça y est, ça va. Pour brutaliser par mon thé, je veux pas. Du bureau à Tutrante et Perfect Télévision. Il a fini son émission, il a accompagné ses invités au fait. Quelques minutes après, on a vu des gens monter en civil. Ils avaient des gilets, on a écrit justice, police militaire, police judiciaire. Alors ils se sont présentés auprès de Peter Tchani, ils lui ont dit on est venu vous arrêter. Lui a demandé le justificatif. Il a dit pourquoi vous venez m'arrêter comme ça. Il a essayé un peu d'alerter quoi. Et puis nous on est sortis, on s'est approchés. Quelques minutes après, on a vu les militaires monter. Quand les militaires sont venus, il y a le responsable de la galerie, du syndic. Il est venu, il a demandé, montrez-moi l'objet, justement un document. Ils ont montré l'avis des recherches. On lui a dit, tu es recherché, on ne sait pas pour quel fait. Lui-même a demandé, un journaliste recherché, moi j'ai vu ici à Kinshasa. Alors quelques minutes après, il y a eu un peu un désordre entre les agents des préfets qui ne voulaient pas qu'il l'RDG part et la police qui tenait à ce qu'on l'amène. Et il y a la police qui a toujours raison, on l'a amené jusqu'en bas où il y avait encore d'autres, beaucoup de militaires armés. On l'a mis dans une Jeep noire et il y avait des motos, on l'a amené à IP. On a parlé de IP Crime. Là où les généraux sont arrêtés avant. Selon ce qu'on m'a dit par les policiers qui étaient à côté, parce que j'étais parmi les journalistes qui l'ont amené jusqu'à rentrer dans la Jeep. Et on a refusé quand même de filmer. Et puis on a respecté la décision de la police. De ne pas filmer comment justement. Mais j'étais accompagné d'un officier, j'ai parlé d'ailleurs avec.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Je veux parler. Les caméras ont filmé. Si malheur m'arrive, on sait là où ça va se passer. Je vais répondre. Je vous demande simplement d'être discipliné. Mon combat que je fais est connu. Si dans les moments comme celui-ci,
on ne peut pas avoir suffisamment de courage, alors on ne doit pas faire ce combat. Ce sont des agents de l'ordre, ils sont des exécutants. Dans les bazar, tout le monde a fait une attaque, on était à Boulay au Kanga. Batindi, bango mission, baye kozwanga. Bon, brutaliser bango te, botiga bango kimia, je veux partir. James Rocher, journaliste actif à la télévision. Alors, vous êtes au quatrième niveau des galeries, de l'ancienne galerie présidentielle. On parle d'arrestation Peter Tchani. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, il a fini son émission, parce qu'on est du voisin, le bureau Actu 30 et Perfect Télévision. Il a fini son émission, il a accompagné ses invités, au fait. Quelques minutes après, on a vu des gens monter en civil. Ils avaient des gilets, on avait pris justice, police militaire, police judiciaire. En fait. Alors ils se sont présentés auprès de Peter Tchani, ils lui ont dit, on est venu vous arrêter. Lui a demandé le justificatif. Il a dit, pourquoi vous venez m'arrêter comme ça? Il a essayé un peu d'alerter, quoi. Et puis nous on est sortis, on s'est approchés. Quelques minutes après, on a vu les militaires monter. Quand les militaires sont venus, il y a le responsable de la galerie, du syndic, il est venu, il a demandé, montrez-moi l'objet, justement, un document. Ils ont montré l'avis des recherches. On lui a dit, tu es recherché, on ne sait pas pour quel fait. Lui-même a demandé, un journaliste recherché, moi j'ai vu ici à Kinshasa. Alors quelques minutes après, il y a eu un peu un désordre entre les agents des préfets qui ne voulaient pas que l'RDG parte et la police qui tenait à ce que on l'amène. Et la police qui a toujours raison, on l'a amené jusqu'en bas où il y avait encore d'autres, beaucoup de militaires armés. Et on l'a mis dans une Jeep noire et il y avait des motos. On l'a amené à destination. On a parlé de IP-crime. IP-crime, c'est là où les généraux sont arrêtés avant. Selon ce qu'on m'a dit par les policiers qui étaient à côté, parce que j'étais parmi les journalistes qui l'ont amené jusqu'à rentrer dans la Jeep. Et on a refusé quand même de filmer. Et puis on a respecté la décision de la police. De ne pas filmer comment il justement. Mais j'étais accompagné d'un officier. J'ai parlé d'ailleurs avec lui. Merci beaucoup. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.